babe. She don't stand no cheating, my babe. None of that midnight creeping, my babe. True little baby, she's my babe. My babe, I know that she loves me, my babe. Oh yeah, I know that she loves me, my babe. Oh yeah, I know that she loves me. Don't do nothing but kiss and hug me, my babe. True little baby, she's my babe. There ain't no cooling, my babe. True little baby, she's my babe. That midnight creeping, my babe. True little baby, she's 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 my babe. On va continuer avec un morceau de monsieur Quincy Jones, qui était partie de la bande originale du film La Couleur Pourpre. Ça s'appelle Mercedes Blue. Thank you.
mind, oh sister. We're two of a kind, so sister. I'm keeping my eyes on you. I bet you think I don't know nothing but singing the blues, oh sister. Have I got news for you? I'm something. I hope you think that you're something too. Scarfling up and down that lonesome road, and I've seen so many suns going down. Oh, but trust me, no lowlife's gonna run me around. Down that lonesome road, and I've seen so many suns going down. Oh, but trust me, no long life's gonna run me around. So let me tell you something, sister. Remember your name, no twister. Come steal your stuff away, my sister. We sure ain't got a whole lot of time. So shake your shimmy, sister. Cause honey, the shark is feeling fine. Merci. On va faire un classique du blues rock un peu des années 50-60 qui s'appelle Kansas City Blues. C'était repris notamment par les Beatles, entre autres, et beaucoup d'autres. Train. If I have to walk, I'm going just the same. I'm gonna Kansas City, Kansas City, here I come. They got some crazy women out there, and I'm going to get me one. Thank you.
I take a plane, I take a train. If I have to walk, I'm going just the same. I'm gonna Kansas City, Kansas City, here I come. They got some crazy women out there, and I'm going to get me one. Well, hey, 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 baby, hey. Le morceau qui va suivre, c'est Le Millionnaire, un morceau classique du blues, qui dit en deux mots que quand on a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'amis, et quand on en a moins, on en a un petit peu, et quand on retrouve de l'argent, on a de nouveau d'amis, et que la vie, c'est un petit peu ça, c'est, ça monte et ça descend, quoi. Millionnaire. Once I had the life of a millionaire, spending all my money, I didn't care. Taking all my good friends out for a mighty good time. Drank bootleg liquor, champagne wine. Then I began to fall so low. Lost all my good friends, I had nowhere to go. In my pocket, not one penny. Ask a friend, you don't have any. Nobody knows you. You're down and out. I said a strange without any doubt. Nobody knows you when you're down and out. Once you get back up on your feet again, everybody wants to be your long lost friend. If I get my hands on a dollar again, I hang on to it as
on that old eagle grin. Nobody knows you when you're down and out. I said it's strange without any doubt. Nobody knows you when you're down and out. Nobody knows you when you're down and out. I said it's strange without any doubt. Nobody knows you. Nobody knows you. Nobody knows you when you're down and out. D'argent et pour ceux qui en ont pas. Pourquoi pas? C'est autre chose. On va continuer avec un morceau de monsieur Delbert McClinton. C'est un américain qui a notamment pas mal inspiré les Blues Brothers, il faut le savoir. Et ce morceau s'appelle Same Kind of Crazy as Me. Il part d'une nana qui a le même grain de folie que lui. Et apparemment, il est assez content. Nous, on a trouvé que c'était un morceau sympa et qu'on pouvait y mettre un peu d'harmonica. Thank you.
love you through the moonlight. Finally got something right. Cause every little upbeat move she makes just suits me to a T. Ain't no doubt about it, she's the same kind of crazy as me. You know what I'm saying, she's the same kind of crazy as me. You know what I'm saying, she's the same kind of crazy as me. Merci. Merci beaucoup. On va continuer avec Shake It Baby. Ça veut dire Shake It Baby. Ouais. Ça veut dire chérie, c'est quoi? Attends, après, on repart. Thank you.
by myself. You gotta help me, baby. You know I can't do it all by myself. If you ain't gonna help me, darling, I have to find myself somebody else. I might wash, I might mop the floor, I might read a book, and I might cook for you. You gotta help me, baby. You know I can't do it all by myself. If you ain't gonna help me, darling, I have to find myself somebody else. Avec un morceau de monsieur Tommy Castro. Alors lui pour le coup il est vivant. Dans les bluesman c'est assez rare maintenant, mais c'est un type de New York italo-américain et nous on aime beaucoup ce qu'il fait. Ça s'appelle Lucky in Love. Chanceux en amour. Got nothing to show. Keep buying high,
town, no, but I'm lucky now. Lucky enough. I don't need to play the horses. My fortune comes from better sources. I'm lucky now. Lucky enough. So lucky. Lucky enough. When it comes to love, and I'm a beginner. My baby's hands, you know that I'm a winner. When it comes to love, and I'm such a lucky man. Oh, my baby. Angel in heaven. Les anges au paradis. C'est encore plus vieux que le. L'autre pour organiser une expérience. Au début du mois. C'est bien ça. On n'a pas notre percussionniste, on lui aurait fait des cuillères. J'espère que vous passez une bonne soirée. Ça va ? Oui ? C'est bon ? C'est cool. On est à l'abri du Mistral, on est bien. Pas loin de l'eau, là, c'est pas. Les cigales, ils ont éradiqué parce qu'ils ont emporté plein. Bon. C'est comme dit mon maître, c'est comme ça.
I didn't see no one. The angels in heaven don't sign my name. The voice to me, you know it sounded so sweet. Angels in heaven don't sign my name. It sounded like Jesus talking to me. The angels in heaven don't sign my name. And I know I've been changed. I know I've been changed all night. I know I've been changed. Angels in heaven don't sign my name. Angels in heaven don't. Ticket down my hand. The angels in heaven don't sign my name. I'm on my way to the promised land. The angels in heaven don't sign my name. If you don't believe that I've been redeemed, the angels in heaven don't sign my name. Just follow me down to the Jordan stream. The angels in heaven don't sign my name. And I know I've been changed. I know I've been changed, Lord. And I know I've been changed. The angels in heaven don't sign my name. The angels in heaven don't sign my name. On a continué avec ce qui fut une berceuse et qui a été détournée par certains bluesmen, notamment Buddy Guy ou encore Sibir et Vaughan. Ça s'appelle Mary Had a Little Lamb.
On va vous chanter le morceau préféré de Vanessa. Ça s'appelle Honey Hush. C'est de Albert Collins et ça veut dire chérie tais-toi. C'est mon préféré aussi. Ah, tu m'étonnes. Attends, ouais, bah, évidemment, buzz d'éclair ou rien. Ça s'adresse aux deux sexes, bien entendu. Et voilà, il fout sa merde. Pas de grossièreté, hein. On va éteindre une des enceintes parce qu'elle grésille et donc on n'arrive pas à régler ça.
Ça va tout sortir de là-bas. Juste la baisser. Non, mais la baisser. C'est fait. Merci. Okay. Alors, pour voir un coup, tu mets une cigarette. On va parler un petit peu aussi. On va interpréter le Floating Bridge de Blind John Estes. C'est un morceau de, enfin, qui a été enregistré en 1935. C'est bien le film de ici. Il part d'un mec qui voulait retrouver sa nana, il n'avait pas d'argent pour prendre le bac. Donc il a voulu gruger le bac, il a failli se noyer. Voilà. Dans les petits waters. Dans les bonnes waters. Voilà. C'est une histoire de game, ne vous inquiétez pas. C'est le spécialiste du game. Donc merci pour le. Never will forget that floating bridge. Never will forget the floating bridge. Never will forget that old floating bridge. The time of 5 minutes time on the water I was here. As I was going down, I threw up my hand. As I was going down, I threw up my hand. As I was going down, I threw up my hand. True enough, I was thinking that I was dying. Took me out of the water and laid me on the bed. Took me out of the water and laid me on the bed. Took me out of the water and laid me on the bed. Thought I got muddy water I had drank. That floating bridge. Never will forget the floating bridge. Never will forget that old floating bridge. The time of 5 minutes time underwater I was in. The
down to 5 minutes time on the water I was hit. 5 minutes time on the water I was hit. Alors j'ai une entrecôte, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, c'est vrai que nous n'avons plus qu'une enceinte ici, mais ce n'est pas grave, on va s'en suffire. Alors nous avons une belle collaboration ce soir avec Tendai Media et Friendly Radio, vous savez la petite station de radio qui monte sur Avignon et qui est totalement avignonnaise. Alors être bien chez soi, c'est juste là, juste chez moi, c'est ici. Et ce soir vous avez été un public absolument formidable et c'est pour cette raison que je vous demande de vous applaudir. Déjà, allez on commence. Un peu plus fort parce que si je vous entends pas, la radio ne vous entendra pas. Et ça serait dommage. Alors, Just Sunrise, c'est tout simplement le nom d'un groupe. Ce groupe est avec vous ce soir, ils sont deux. J'ai cru comprendre que parfois ils étaient trois, mais ce soir, ils sont exceptionnels. Alors, sur ma gauche, alors il est en face de vous également, eh bien c'est notre ami Cédric. On peut lui faire un compliment avec les mains. Bravo, vous avez tout compris. Oui, allez, on peut continuer. Et sur ma droite, évidemment, l'excellentissime Jean-Paul. Alors, pourquoi je dis excellentissime? Oui, vous avez raison, vous avez tout compris. Ça, c'est extraordinaire, le direct, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas avec lequel je vais commencer. Qui a commencé à produire ce groupe, à le construire, en tous les cas? Allez, il y en a un qui se dévoue, là. On a le pied qui est bloqué, pardon, mais ça, c'est les joies du direct.
En fait, on s'est rencontrés il y a 9 ans de cela, et puis on s'est découvert assez rapidement une passion commune pour le blues. Et quand on a découvert que l'autre jouait, on s'est dit que c'était trop con de passer à côté, on s'est dit on va inventer un petit quelque chose de blues. Bah, en tout cas, c'est forcément réussi parce que vous avez du cœur, hein, Jean-Paul. L'harmonie, quand on est harmoniste, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein. L'harmonicisme, il est là. Eh bien, Delta Sunrise, c'est aussi lui. Merci mon ami David, le président de Friendly Radio, qui vient en personne avec sa Bentley ici. Dites-moi, il a une Bentley. Dites-moi Jean-Paul, mais vous, c'est votre métier ? Non, pas du tout. Harmoniciste à l'intérieur, mais je joue depuis... Pardon ? Harmoniciste. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Jean-Paul dit qu'il est amateur. C'est vrai que je connais des professionnels qui jouent moins bien que des amateurs, mais celui-ci, il joue tellement bien ben, qu'on l'aime aussi. Et bon, on peut l'applaudir, ce Jean-Paul. Hein. Formidable. Mais ce n'est pas votre métier, mais vous faites quelque chose à côté. Rentier de l'État. Rentier de l'État. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il existe des rentiers de l'État qui font de la musique. Il y en a un par là, ah, il connaît tout le monde, ça c'est bien. Mais rentier d'État, c'est-à-dire ? Retraité. Retraité des sapeurs-pompiers. Des sapeurs-pompiers, mais alors, dites-moi, vous avez quand même l'harmonica. Je vous demande de vous lever, Jean-Paul, parce que ce n'est pas du tout un terroriste. Hein. Il y en a qui pourraient le croire, parce qu'il a eu, regardez la ceinture qu'il a, ce ne sont pas des explosifs, ce ne sont que des harmonicas. Il y en a combien ? Il y en a 9 ou 10, là, mais il pourrait y en avoir plus. Alors 9 ou 10, il peut y en avoir plus, et vous les utilisez tous ? Quasiment, oui. C'est incroyable. Alors ici, du côté de Chédric, alors je vois quoi ? Je vois 3 guitares, c'est cela ? Alors qu'est-ce que c'est comme guitare ? Une guitare acoustique simple, ouais. Là. Oui, on la voit. Une guitare électrique aussi tout à fait normale qui est là, et puis on a un résonateur qui est en métal. Qu'on va utiliser tout à l'heure en commençant le deuxième set et qui s'utilise avec un bottleneck et avec un accordage particulier. Alors moi je me retourne un peu vers vous. Dites-moi, la musique aussi, vous l'avez chevillée au corps. Je crois que vous êtes arrivé à Avignon il y a une dizaine d'années, c'est ça ? 17. 17 ans. Avant vous étiez aux États-Unis ? Non, j'étais à Arles avant. Arles ? Non, mais ne me dites pas ça, je sais que vous êtes parti aux États-Unis. Ah mais non, mais je suis allé surtout en Angleterre. En Angleterre ? Et vous avez joué de la musique ? J'ai commencé là-bas. Vous avez commencé là-bas et vous avez chanté là-bas ? Non, je me suis bien chanté ici parce que j'étais couillon avec la guitare en fait. Le couillon ? Écoutez, ça c'est extraordinaire, c'est une forme de poésie. Hein ? Vous avez entendu cette forme de poésie ? Le couillon à la guitare. Hein ? C'est pas mal ça, dites-moi. Et alors là, vous êtes mis tous les deux à jouer, vous avez du succès parce que le blues, croyez-moi, c'est quelque chose qui remue l'âme. Et tout le monde ici en a, même s'il mange. Non mais c'est pas grave, vous avez le droit de manger. Bien sûr, vous êtes là pour ça aussi, mais écoutez, vous pouvez manger avec le cœur et écouter avec l'âme aussi. Hein, c'est ça qui est extraordinaire avec ces deux musiciens. Alors, quel est votre programme ? Vous êtes pas ce soir. Est-ce que vous avez dans l'avenir, peut-être, je sais pas, un contrat avec une maison de disques ? Alors pas encore, on est en train d'enregistrer un petit CD avec Jean-Paul et un ami. Vous voyez, ça marche. Mais ça va marcher. On est en train de le mettre en place, on est en train de faire les enregistrements, de finaliser, pour avoir un petit quelque chose à laisser justement aux gens qui viennent nous voir jouer dans différents endroits, que ce soit des restaurants, des bars. Ou... Eh bien, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Nous avons un producteur dans la salle, il est juste en face de moi. Il ne le sait pas encore, il va être obligé de vendre sa péniche pour pouvoir vous aider. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. On peut applaudir ce monsieur dont je tairai le nom. Bien entendu, applaudissez-le. C'est lui, bien entendu, qui va produire votre nouvel album. Voilà une grande nouvelle. Bon, écoutez, on va vous laisser pour la deuxième partie. Je pense que vous avez droit au quart d'heure syndical, comme on dit dans ce beau métier, dans le jargon du métier, vous allez prendre un verre. Alors, je précise quand même aux amis qui regardent et qui écoutent ce spectacle que la lumière que vous voyez là s'éteindre et s'allume n'a absolument rien à voir avec le spectacle. Il s'agit des toilettes. Ne confondez pas, s'il vous plaît. Il y en a qui confondent tout. Merci à vous deux en tous les cas parce que vous êtes des musiciens épatants. On vous aime infiniment. Moi, je peux vous dire que tout le long de cette première partie, eh ben, mon cœur, il a vibré. Mes jambes aussi, j'en pouvais plus. Voilà. Si vous avez envie de danser, faites-le également. Mais ça passera pas à la radio. Tant pis pour vous. C'était Pierre-Patrick pour Tendaï Armédia et pour Friendly Radio, bien entendu. Ciao. Thank you.